Moi, c'est avocat Richard. Moi, c'est un avocat qui a pratiqué droit dans le dossier immigration États-Unis. Il y a un pile monde qui est rentré par frontière sous CBP One App. Là. Et pendant qu'ils entrent en bas app, ça, ils joignent ce que l'on notice to appear pour yo paraître devant tribunal. Et là où paraître devant tribunal, la date là, il doit loin. Ou il doit avoir une date qui est en 2025, 2026. Même 2027. Ce n'est pas parce que vous avez une date qui n'est pas proche pour pas prendre un dossier au sérieux. Premièrement, là où vous avez un dossier qui est devant le tribunal, ça veut dire que vous êtes sous déportation et vous êtes supposé défendre la déportation. Deuxièmement, même règle qui gagne yo, qui dit qu'il faut que vous fassiez asile avant de gagner un an dans le pays, tout ça est applicable. So, même si dat tribunal là, c'est 2 ans, faut que si vous après mettre asile, faut que vous fassiez avant vous gagner un an dans le pays. So, ou pas supposé attendre telle date l'arrivée pour décider qui ça vous pral faire avec le dossier. Le plus bon pour consulter avec un avocat pour déterminer qui défense vous a gagné et qui circonstance vous a gagné. Qui a aidé à défendre déportation. Songez, information ça yo ke n'a pas c'est pas information sous dossier pau. Si ou t'as remis une consultation sous dossier pau là, ou capable relé nous pour une consultation. Ou ka relé nous dans 954 278 93 32 954 278 93 32. Merci.